Tous ces Colorline de consoletoi.fr, je vais vous présenter un jeu mobile qui s'appelle Vector, disponible donc sur Android, puisque vous le savez maintenant. Mes tests principaux se font sur Galaxy S4. Ouais, petite vidéo d'introduction au jeu. Vector est un running game, le principe c'est que vous êtes un personnage qui va courir, 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 et vous allez devoir éviter de vous faire attraper, éviter aussi les obstacles. Donc ça, hop, ça roule. Voilà. Écoutez, on va y aller. Donc il y a plusieurs niveaux. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Depuis le début. Voilà, ça c'est tous les sous-niveaux. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns. Également des niveaux bonus. Allez, commençons. Ce qui est intéressant dans ce running game, c'est qu'on se prend un petit peu pour un Yamakasi et on va pouvoir débloquer des figures. Alors vous allez voir, c'est pas mal ça. Un bon petit running game. Donc voilà comment se compose le niveau de Vector. Donc après, comme je vous dis, vous allez pouvoir
là c'est pour avoir des trucs. Débloquer des figures. Je sais pas où est-ce que c'est. On peut voir les figures. Non, il me semblait qu'on pouvait voir les différentes figures à débloquer. Bon, c'est pas grave. Voilà en tout cas pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble donc peut-être le français là-dedans. Ah bah il y avait même le français. Hop là. Donc Vector, donc un jeu disponible sur Android et donc que je vous conseille, comme vous voyez, c'est assez sympa. Voilà voilà. Et puis aussi peut-être dans le magasin, tiens, je vais regarder. Voilà, dans figure. Il me semblait bien. C'était pour vous le montrer. Si ça vaut bien de ne pas planter. Donc voilà, un petit peu. Des figures qui que le personnage peut faire. Peut franchir les obstacles. Voilà, que vous achetez avec vos crédits, que vous gagnez tout au long du jeu. Donc on fait pas mal de choses, il y a la vitesse aussi. Hop, les gadgets. Voilà, Vector, à bientôt!